les Américains, les Canadiens, les Européens et quelques autres, les Occidentaux ont perdu le monopole de la conduite des affaires du monde. Ils n'ont pas perdu la puissance, ils ont perdu le monopole. Écoutez, j'ai accepté l'invitation à venir ici. D'abord, c'est toujours agréable d'être invité dans cette enceinte. Et deuxièmement, j'ai trouvé stimulant et original. Et troisièmement, je ne partais en week-end qu'en fin de journée, donc c'était possible. Et ce sur quoi je peux peut-être apporter quelque chose à votre réflexion, c'est sur un décalage qui me paraît quand même extrêmement impressionnant entre ce que croient les Occidentaux en général, Occidentaux, en général américains, européens, mais français aussi, et notamment ce qu'ils ont cru après la fin de l'Union soviétique, et la réalité du monde dans laquelle nous débattons aujourd'hui, qui est absolument l'inverse de la plupart de ces croyances. Alors, le premier point, donc, au moment de la fin de l'Union soviétique, moi, je ne prends pas la chute du mur comme point de repère, parce que c'est un moment émouvant, parce qu'on est dans un monde d'images, mais en fait, c'était l'ouverture du mur, plus que la chute. Les Allemands pouvaient déjà partir avant. Et troisièmement, ce n'est pas la fin de l'URSS. La chute du mur, entre guillemets, c'est en novembre 89. La fin de l'URSS, c'est fin 91. Donc, c'est la vraie date. Et nous sommes, à partir de 92, dans un monde dit global, sur lequel, d'ailleurs, on peut débattre, en quoi consiste-t-il. Mais à cette époque-là, il y a une sorte d'énorme optimisme, à la fois occidental et puis un peu universaliste. Pour les Américains, c'était la victoire dans la guerre froide, la victoire sur l'Union soviétique qui était décomposée, finalement. Pour les Européens, en général, c'était la confirmation du fait que nous vivons dans la « communauté », entre guillemets, internationale, au sein de laquelle, dans le cadre des Nations Unies ou ailleurs, nous allons régler les conflits, la prévention des conflits, les échanges entre sociétés, le développement de la société civile, les ONG contre les gouvernements qui sont présentés de façon négative, les ONG présentées de façon positive, avec des mécanismes nouveaux et originaux, comme par exemple la Cour pénale internationale. Donc il y a une sorte d'optimisme européen assez fort, plus ou moins fort selon les moments, qui était par ailleurs centré sur des projets européens proprement dits, c'est-à-dire notamment le projet de la monnaie unique en Europe, ce qui allait s'appeler plus tard l'euro, qui était le résultat d'une sorte de grand deal historique entre Kohl et Mitterrand au moment de la réunification. Donc une vision assez positive et très, très optimiste. Du côté américain, c'était plus classiquement fondé sur une vision de pouvoir, un nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis. C'est la vision qu'avait le président Bush père. Et les États-Unis disaient « on va s'occuper de gérer ce monde-là parce qu'il faut bien que quelqu'un mette un peu d'ordre là-dedans, mais enfin, ce n'est pas notre souhait, on est un peu contraint. » C'était le reluctant shérif qui s'occupait de ça. C'est l'époque où il y avait la conception de Fukuyama qui était exprimée, Francis Fukuyama, qui disait « c'est la fin de l'histoire parce que l'histoire s'arrête faute de combattants, il n'y a plus de désaccord de fond idéologique, tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour le marché ». Avec des désaccords sur plus ou moins de règles pour le marché, mais enfin, en gros, tout le monde est d'accord. Donc, ce sont les démocraties de marché, comme disait Bill Clinton, le président. Et donc, l'avenir paraissait radieux. Et les conceptions d'Huntington, qui avait répondu à Fukuyama, disant « Détrompez-vous, c'est pas si facile, c'est pas si simple, nous risquons des conflits entre civilisations », ces conceptions avaient été très décriées et très rejetées quand il les avait exprimées dans cette décennie 90. Bon. Et puis la France participait à ce courant d'optimisme, notamment à cause de la dimension européenne dont je vous ai parlé. Donc à partir de 92, vous voyez, il y a des débats sur qu'est-ce que c'est que ce monde global, comment le pouvoir est-il réparti, unipolaire, bipolaire, multipolaire, etc. Mais on pense vraiment qu'on va pouvoir mettre en œuvre de vieilles promesses sur l'organisation du monde. On pourrait remonter jusqu'à Emmanuel Kant. Et on pourrait même rappeler les Nations Unies, qui n'ont jamais été unies en fait, mais bon, Nations Unies, même avant la Société des Nations, qui formait plus une jungle qu'une société, mais à chaque fois, à chaque moment important historique, ces conceptions ressortent. Alors évidemment, les gens qui vivent dans le monde de l'économie et de la concurrence, notamment les grandes entreprises, avaient bien vu qu'il y avait un phénomène particulier qui se développait dans les pays qu'on appelait autrefois pays en développement, sur le sort desquels on versait des larmes de crocodile, on voit bien qu'ils commençaient finalement à la longue, pour certains d'entre eux, à se développer. Ils devenaient en développement, puis même un peu plus, ça devenait les fameux marchés émergents. Mais à l'époque, c'était présenté comme uniquement une source d'opportunité formidable,
pour les grandes entreprises mondiales, ce qu'on avait appelé à une époque les multinationales, quand il fallait faire oublier qu'elles étaient pour l'essentiel américaines, c'est IBM qui avait inventé le terme de multinationale. Après, ça s'était étendu, il y avait des japonaises aussi, quelques européennes. Donc les entreprises en question avaient bien détecté, parce que dans ce monde de l'économie, on est quand même très au fait de la réalité des choses, c'est un monde moins chimérique que les autres. Et donc on avait bien vu qu'il y avait les marchés émergents, les classes moyennes qui allaient se développer, qui avaient un pouvoir d'achat, et ça présentait des perspectives formidables de marché. Et nous avons connu, il n'y a pas tellement longtemps, une décennie 90 qui était très marquée par cet optimisme formidable, avec la dimension sur laquelle j'insistais concernant les États-Unis, un peu une dimension de pouvoir, de leadership américain, mais sous une forme particulièrement souriante et aimable, sous l'époque de Clinton, que ce leadership américain, que certains contestent, qui énerve beaucoup de gens, apparaissait comme plus agréable, plus admissible. Donc une époque quand même très optimiste, pas très éloignée, et très centrée sur la vision occidentale. Elle est très occidentalo-centrée, cette vision, ou elle est très européano-centrée. Bon, je passe les étapes intermédiaires, et on regarde le monde dans lequel on est aujourd'hui, en fait. Et dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, d'abord, les émergents, ce n'est pas des marchés. Évidemment, c'est des énormes marchés, mais ce sont des puissances aussi, des puissances émergentes ou réémergentes. Alors, il y a des tas de listes, tous les économistes de banque ont créé des listes dans lesquelles il y a 5, 10, 20, 30. Le recueil annuel du ministère des Affaires étrangères sur les émergents, on comprend 50. On connaît les principaux, on pense à la Chine tout de suite, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'un pays aussi énorme qui soit développé aussi vite et qui est sorti aussi vite en aussi peu de temps autant de gens de la pauvreté absolue. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute une série d'autres émergents. Dans les BRICS, déjà, c'est une liste bizarroïde parce que Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, la Russie n'a rien à faire là-dedans parce que c'est un pays plus surnageant, d'ailleurs, qu'émergent. Les autres sont des émergents, mais il y en a d'autres derrière. En tout cas, c'est très déterminant parce qu'on voit bien que la part de la richesse produite dans le monde, la part de la production industrielle, puis progressivement d'autres activités, la part occidentale se réduit relativement, même si les occidentaux sont encore, et pour longtemps, plus riches globalement, plus riches par tête, plus puissants, avec des moyens d'intervention plus grands. Enfin, il n'empêche que il s'est produit quelque chose qui n'était pas du tout vu par les différents optimistes du début des années 90, c'est que les Occidentaux, donc je répète les Américains, les Canadiens, les Européens et quelques autres, les Occidentaux ont perdu le monopole de la conduite des affaires du monde. Ils n'ont pas perdu la puissance, ils ont perdu le monopole. Tout ce qui s'était passé dans l'histoire du monde dans les 3 ou 4 siècles avant, depuis la première mondialisation ibérique, c'était conduit par des Occidentaux, en concurrence entre eux, en rivalité féroce éventuellement, mais des Européens ou des Américains par rapport à ça, pendant environ 4 siècles. Et ils ont gardé cette domination très longtemps, et tout notre système de pensée en découle largement. Je citais communauté internationale, que je mets entre guillemets, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas encore, il y en aura un jour peut-être, c'est un objectif, plus qu'une réalité aujourd'hui. Et quand on parle dans nos pays de communauté internationale, on parle de nous en fait. C'est ce que nous ressentons. La communauté internationale n'acceptera jamais le comportement de la Chine. Mais s'il n'y a pas la Chine dedans, c'est que ce n'est pas la communauté internationale, vous voyez. Donc il y a une sorte de période que nous vivons, qui est une période brutale, de remise en cause, parce qu'il y a ces autres intervenants. Il n'y a pas simplement les sympathiques ONG. D'abord, dans le monde des ONG, c'est comme dans le monde des gouvernements, il y a le meilleur et le pire. Il y en a des dizaines de milliers, il faudrait faire le tri, c'est compliqué. Les intervenants dans le système mondial, il y a 200 pays aux Nations Unies. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'influence, pas de poids, qui sont faibles. Enfin, il y a quand même beaucoup qui ont une certaine influence. Donc la gestion du monde, s'il y en a une, est infiniment plus compliquée qu'autrefois, parce que tous les grands congrès du passé, congrès de Vienne ou autres, et la gestion de la fin des guerres mondiales, c'est 4-5 pays, en fait, 4-5 dirigeants. Là, c'est devenu extrêmement plus compliqué. Et ça n'a pas donné naissance à ce qu'on appelle donc la communauté internationale, parce qu'on voit bien que les divergences de conception, de mentalité, de culture, de religion, de richesse, de puissance, de projet, ceci, cela, sont absolument énormes. Donc c'est une remise en cause qui est difficile à vivre, celle que nous connaissons. Pour les Américains, c'est quelque part insupportable. Ils sont tellement habitués à avoir ce leadership pour des raisons de sécurité. Brzezinski a très bien expliqué dans plusieurs livres pourquoi les Américains veulent absolument être en sécurité. Ils ont quitté la vieille Europe, ils veulent être en sécurité. Mais ils hésitent entre eux, pour être en sécurité, s'isoler,
pour être tranquille, ou contrôler tout le monde extérieur pour qu'il n'y ait pas de menaces qui viennent du monde extérieur. Ça donne des oscillations dans leur politique étrangère. Mais en tout cas, ils veulent des systèmes défensifs, offensifs, dissuasifs, qui n'est pas la même chose, etc., etc. Donc pour les Américains, c'est très difficile. Et on voit bien qu'une partie des Américains aujourd'hui ne se résigne pas à cette situation. Ils voudraient qu'il y ait bien la moitié d'entre eux qui voudraient qu'une sorte de John Wayne revienne et mettre de l'ordre dans tout ce chaos mondial pour que les Américains soient en sécurité sans avoir forcément à s'en occuper trop directement. Il y a une contradiction là-dessus. Donc il y a une vraie interpellation pour les Américains. Il y a une autre interpellation pour les Européens qui n'est pas de la même nature, parce que les Européens, justement, qui ont eu cette vision avant le Fukuyama dont je parlais, depuis l'après-guerre, en gros, les Européens voudraient vivre dans un monde post-historique, post-tragique, post-traumatique, post-identitaire, parce que tout le monde est pareil, l'universalisme, etc. Et puis ils sont dans un monde qui est un monde de compétition, qui est un monde d'affrontement, qui est un monde dans lequel la mondialisation, qui est à la fois enrichissante et perturbante, recrée en réaction des phénomènes identitaires extrêmement vigoureux. Et donc les Européens sont un peu désemparés par rapport à ça, plus le fossé qui est maintenant absolument béant entre une partie des élites en Europe qui, sans arrêt, dit qu'il faut plus d'Europe pour répondre à ces situations, et l'immense majorité des Européens aujourd'hui qui dirait non, ça suffit comme ça. On ne va pas plus d'Europe, parce que plus d'Europe, c'est moins d'Allemagne, ou moins de France, moins d'Italie, moins de Danemark, moins de ceci, moins de cela. Donc il y a une sorte de décalage qui s'est créé qui n'a rien à voir avec l'état d'esprit dans lequel étaient les pays d'Europe, y compris la France, au moment où nous nous préparions l'entrée dans la monnaie unique. Donc il y a une sorte de décalage énorme. Et ça crée des tentations, là aussi en Europe, contradictoires, comme aux États-Unis. Il y a une sorte d'aspiration, une sorte de grande Suisse, de la part des opinions, un ensemble européen plutôt isolationniste, plutôt, en tout cas, pas pacifique, si ce n'est pacifiste, puisqu'une partie des Européens pense que on n'a pas besoin d'Europe de la défense parce qu'on n'a même pas besoin de défense tout court. Donc, vous voyez, ce sont des conceptions qui sont mises à mal par ce qui se passe en ce moment dans le reste du monde, ces phénomènes de compétition. Et pour la France, par rapport à tout ça, il y a une sorte de souffrance particulière parce que la France, depuis longtemps, depuis qu'elle se prétendait fille aînée de l'Église, patrie des droits de l'homme, etc., il y a toujours l'idée que la France est un pays particulier, qui a un message spécial, avec une vocation universelle, un peu exceptionnelle. Sur patrie des droits de l'homme, mon ami Bonnater rectifie toujours, il dit non, c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme, ce qui n'est pas forcément automatiquement la même chose. Bon. En tout cas, la France est censée avoir un rôle particulier, et depuis très longtemps, dans le système politique qui a fabriqué la France, on s'est mis dans nos têtes, à nous tous, que nous ne défendons pas des intérêts. Tous les peuples dans le monde défendent leurs intérêts, à commencer par leur sécurité, naturellement, ce qui est l'aspiration numéro un des peuples partout, depuis toujours. Et les Français ont construit quelque chose, comme quoi ils sont porteurs d'autre chose. Il y a un message, il y a une espérance, il y a une utopie, ce qui était parfois vrai, parfois pas tellement vrai, parfois le contraire, bon, ça dépend. En tout cas, pour les Français, c'est plus compliqué que pour d'autres peuples qui n'ont jamais eu cette prétention de peuple élu, en quelque sorte, de peuple missionnaire, de peuple prosélyte, par rapport à tout, quoi, l'évangélisation, puis le code civil, puis la République, puis les droits de l'homme, tout ça. Donc des peuples qui sont moins animés par ces traditions ont peut-être plus de facilité à s'adapter à la donne mondiale d'aujourd'hui, qui en plus s'est fait sur la base de une économie de marché, pas n'importe laquelle, très dérégulée, très financiarisée, sur la base d'une sorte de sous-américain d'aéroport, enfin, vous savez, le globish, qui est aussi menaçant pour l'anglais d'Oxford qu'il l'est pour d'autres langues, sauf l'espagnol, qui est très, très, très plein de vitalité aux États-Unis. Bon. Donc, il y a une situation qui est, du point de vue des Français, par rapport à l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, de leur histoire, de la République, de la démocratie, etc., est très, très perturbante. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et moi, je plaide à partir de mon expérience du pouvoir et de mes réflexions à travers mes livres et autres, je plaide pour une énorme cure de réalisme, de lucidité, pour que les Occidentaux en général, mais surtout les Européens et notamment les Français, prennent ce monde-là tel qu'il est, sans être déprimé, on est le champion du monde du pessimisme, c'est absurde, sans être déprimé, en prenant les problèmes tels qu'ils sont, en comprenant les mécanismes du monde dans lesquels nous sommes aujourd'hui, en n'oublions pas que la remise en cause, que j'ai résumée de façon caricaturale, parce qu'il faut aller vite, qui est très brutale, concerne tout le monde,
C'est pour ça que j'ai parlé des affres des Américains, mais même les pays émergents se posent des questions sur leur positionnement dans l'avenir. Ça nous concerne beaucoup, nous, mais au milieu des autres qui s'interrogent, des émergents qui ont mangé leur pain blanc, des autres Européens qui se posent des questions, je pense que nous avons, nous, la France, je le dis parce que je parle à Paris, énormément d'atouts, même si on ne veut pas les reconnaître, ça fait partie du pessimisme, ça. Évidemment, plein de handicaps, mais que nous aurions évidemment la capacité à les maîtriser, à les surmonter et à connaître un vrai sursaut si on avait cette approche réaliste décapante, un peu brutale, mais ensuite, à mon avis, revigorante.